Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. D'abord, les principaux titres. L'Assemblée nationale du Burundi a adopté au cours de la semaine le projet de loi organique portant modification du code électoral de 2019. Parmi les nouveautés figure la caution pour les candidats à la présidentielle qui passe de 30 millions à 100 millions de francs burundais alors que le jour du scrutin est écourté jusqu'à 15 heures au lieu de 16 heures. Et les catastrophes naturelles menacent la population à côté des inondations et montées des eaux du lac Tanganyika. La population de la zone Rukaramu, qui n'a ni eau ni électricité, crie au secours suite aux inondations provoquées par des rivières de la localité. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité qui a marqué la semaine écoulée. L'Assemblée nationale du Burundi a adopté mardi le projet de loi organique portant modification du code électoral de 2019 au Burundi. Parmi les innovations figure la hausse de la caution allant de 30 millions à 100 millions de francs burundais pour la présidentielle. Et la durée de la campagne électorale étant maintenue à 3 semaines. Le point avec Francine Ndiokougaï. La majorité des députés ayant pris la parole s'est beaucoup exprimée sur la revue à la hausse de la caution, surtout pour les candidatures présidentielles qui passent à 100 millions alors qu'auparavant elles n'étaient qu'à 30 millions de francs burundais. Les uns disent qu'il s'agit d'un montant exorbitant qui risque de limiter les candidatures, tandis que d'autres pensent que cette somme exigée est minime pour ce poste, surtout quand le candidat a le soutien des membres. Même son de cloche du côté du ministre de l'Intérieur. Martin Niteretse explique que la caution vient pour réduire les candidatures fantaisistes comme constaté par le passé. Les avis des députés divergent également sur la durée de la campagne électorale de 3 semaines, réduite à 2 semaines. La période de la campagne a été gardée finalement à 3 semaines. L'autre innovation concerne l'heure de clôture du scrutin qui a été ramenée à 15 heures au lieu de 16 heures afin que le dépouillement se termine avant la tombée de la nuit avec possibilité de changer le lieu de dépouillement pour diverses raisons. Ce dernier point a suscité l'inquiétude chez certains députés une fois que les urnes sont déplacées vers un autre endroit. Le ministre de l'Intérieur a aussi rassuré que si les moyens le permettent, la carte nationale d'identité biométrique pourra être utilisée dans les échéances électorales prochaines. Ce projet de loi organique portant modification de la loi de 2019 portant code électoral a été adopté ce mardi par l'Assemblée nationale à plus de 98%, moyennant quelques amendements. Francine Ndihokougaïo. Et l'Agence nationale de gestion du stock ANAGESA avait jusque vendredi de cette semaine pour avoir payé tous les agriculteurs du maïs responsables de la récolte déjà collectée. Il s'agit là d'une instruction qui avait été donnée par le Premier ministre Jovendira Kobucha lundi au terme d'une réunion avec les administratifs, une réunion qui portait sur la gestion de la récolte du maïs dans tout le pays. Le Premier ministre avait rassuré que cette agence aura un budget additionnel de la part du ministère des Finances après avoir remboursé les dettes de 26 milliards de francs burundais. Suivez le Premier ministre burundais, Jovendira Kobucha, traduit en français par Alain Désiré Bukeyenet. Je vous exhorte à ne plus être irresponsable par rapport à cette histoire de collecte du maïs. En tant qu'administratif, nous devons le gérer en beau père de famille. Il vous est appelé d'utiliser l'argent collecté dans le remboursement des dettes. Le ministère des Finances fixera un budget à octroyer à cette agence. Évitons de tomber encore une fois dans des dettes. Essayez de rembourser les agriculteurs jusqu'à jeudi ou vendredi au plus tard. Que ces 26 milliards soient utilisés à cette fin. Priorité devrait être accordée aux simples agriculteurs qui ont récolté une petite quantité, 200, 300, voire
500 kg pour que ceux qui ont de grandes quantités aient le temps de sécher leurs récoltes. Je pense que cela est très compréhensible. Une chose est certaine, toute la récolte ne doit pas être destinée au marché et tous ceux qui vendent ne seront pas nécessairement priorisés lors de l'achat des semences. Ce qui est à écouler est simplement le surplus. Les familles doivent garder les vivres qu'elles ont quotidiennement besoin. Dans la suite de cette rétrospective de la semaine, les habitants du quartier Kinyinya de la zone Rukaramu, nous sommes dans la province de Bujumbura, disent qu'ils vivent dans le désespoir total suite au manque d'électricité et d'eau potable s'ajoutant aux inondations. Ils ajoutent qu'ils utilisent un seul forage existant dans ce quartier pour avoir de l'eau à consommer, demande au gouvernement de prendre des mesures d'urgence. Ornella Mucho. Arrivé sur la route communément appelée Rukaramu, en zone Rukaramu, c'est en province de Bujumbura qu'on constate le débordement des eaux de la rivière Rusizi à partir de l'église des témoins de Jéhovah. Les gens qui empruntent cette route doivent enlever les chaussures et les conducteurs de taxi-vélo doivent pousser leur vélo au lieu de conduire. Presque toutes les maisons de cette zone sont touchées par les inondations et plusieurs familles ne savent plus où se diriger. Ces habitants de cette localité qui se sont exprimés sur nos micros se plaignent qu'il manque d'eau potable et du courant électrique viennent aggraver la situation. Ces habitants de ces localités touchées se plaignent que par manque de choix et de moyens, sont obligés de tirer l'eau du puits ou du lac Tanganyika. À côté de ça, ils disent vivre dans l'insécurité totale car suite à ces inondations, certains dorment à la belle étoile dans l'obscurité. Nous utilisons du puisard, d'autres utilisent l'eau du lac Tanganyika pour différents travaux ménagers. Et depuis le mois d'avril, il y a un manque d'eau potable et du courant électrique et certaines activités sont paralysées suite à ce problème. On ne sait plus où se diriger. Nous dormons à la belle étoile, même parfois sous la pluie, avec le risque d'attraper le paludisme. Nous n'avons rien pour nous couvrir et les enfants pataugent dans ces eaux stagnantes et après, on se gratte trop au risque de se déchirer. Presque partout, c'est inondé et par conséquent, on n'a ni eau potable, ni courant électrique, on utilise des eaux souillées. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous rendre disponible encore une fois cette eau potable pour avoir par ce problème d'inondation ou manque d'eau potable, nous sommes exposés aux maladies endémiques comme le choléra. Et ce problème du manque du courant électrique vient empirer la situation. Nous avons peur que des animaux aquatiques peuvent nous surprendre pendant l'obscurité. Et d'autres conséquences, les réseaux téléphoniques sont brouillés. On a difficulté à contacter nos proches pour un probable secours. Il déplore que jusqu'ici, rien n'est fait pour trouver solution à ce problème et demande avec insistance au gouvernement et aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Au Burundi, les quartiers et les zones situées au long du lac Tanganyika et de la rivière Rusizi, comme quartier Kibenga ou zone Gatumba, sont les plus touchés par les catastrophes naturelles. Ornella Mucho et les eaux du lac Tanganyika qui envahissent ces riverains ont eu à monter jusqu'au quartier Buyenzi, Ruvumera et Chanique. Révélation de l'expert en environnement Albert Mbonerane qui précise que cela est arrivé depuis les années 1878. Selon cet environnementaliste, il est difficile de déterminer le niveau final de cette augmentation de ces eaux toujours en progression. Pour lui, l'État devrait délocaliser la population car, dit-il, les pertes s'alourdissent. Suivez. En français, on dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Disons pas la protection de l'environnement, c'est la prévention. Comment faire? Il faudrait que le gouvernement investisse peut-être en toquant sur les portes des différents bailleurs parce que quand il y a des risques de catastrophes naturelles, il y a souvent des aides humanitaires, etc. Mais la première aide humanitaire que je demanderais, c'était d'identifier une localité sécurisée où il n'y a pas d'inondation, etc., où on pourrait construire un bon village pour les gens de Gatumba.
je n'ai pas oublié les gens qui sont vers le Mongue aussi, parce que c'est la même chose, etc. Donc pour les mettre dans un lieu où on peut dire, voilà, ici vous pouvez construire et c'est durable. Et puis, ils vont cultiver où ? Le gouvernement a la latitude de dire, vous allez loger là-bas, mais pour l'agriculture, vous allez continuer à exploiter vos terrains, etc. Parce que mettez sur la balance, perdre une maison construite avec des moyens, peut-être avec des crédits, ou perdre un champ de maïs, un champ de légumes, ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est ma première proposition. La deuxième proposition, c'est que, ça c'est à l'endroit de nos dirigeants, il faut se lever. Parce que la nature, il y a une chanson, il faudra l'écouter, la nature est en colère. Maintenant, il faudrait que nous puissions voir comment cohabiter avec l'écosystème naturel du lac Tanganyika. C'est-à-dire, au niveau du code de l'eau, il est bien stipulé qu'il faut une zone temporaire à respecter où il est interdit de cultiver, de construire, etc. Donc il faudrait que ces textes soient vraiment bien appliqués. Et puis après, on pourra dire, comme il n'y a pas de système d'alerte précoce pour dire aux Burundais, attention, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura la montée des eaux. Et maintenant, il faut dire peut-être que partons de ce que nous venons de vivre aujourd'hui. On ne dira pas, on nous a raconté que maintenant nous voyons que si vous allez à Kibenga, si vous allez à Gatumba, si vous allez même vers le Mongue, vous allez trouver que ce n'est plus des mensonges, il y a la montée des eaux. Que faut-il faire? C'est la prise de conscience pour dire, avec cette situation, les précautions à prendre, c'est le respect des droits de la nature. Et puis après, Dieu va nous pardonner pour tout ce que nous avons fait qui ne cadre pas bien avec la réalité du monde. Et le Burundi doit déclarer que la montée des eaux du lac Tanganyika est une situation d'urgence ces derniers jours pour appeler ses partenaires à s'activer. Il s'agit là d'un appel du général de brigade de police Anice Nibaruta, président de la plateforme nationale de gestion des risques et catastrophes au Burundi. C'était ce vendredi au cours d'un atelier de renforcement des capacités en matière de gestion de la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique. Pour Louis, l'eau a déjà franchi des infrastructures jusqu'à plus de 150 mètres du littoral du lac prévu par le code de l'eau. Suivez. La situation s'empire du jour au jour parce que l'eau du lac Tanganyika ne cesse de monter. L'impact est grand. La question de savoir si le Burundi se suffit pour faire face à cette situation. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement devrait sortir une déclaration conjointe avec le système des Nations Unies pour montrer que la question est d'une grande ampleur d'une part et pour lancer un appel à la communauté internationale et aux partenaires au développement pour que ce monde-là appuie le gouvernement à faire face à cette situation. La déclaration devrait servir de mobilisation de ressources pour que les communautés qui sont victimes de cette montée des eaux du lac Tanganyika soient secourues. Aujourd'hui, l'heure a sonné, les gens sont en déplacement, les restaurants et bars qui sont au niveau du littoral du lac sont affectés, des infrastructures publiques et privées, les maisons d'habitation y sont affectées, les ports sont affectés, le bilan est lourd. Nous conseillons au gouvernement de procéder à cette déclaration. C'est une voie qui a en issue parce que ça a été fait dans certains autres pays comme le Madagascar, l'Éthiopie. Et la semaine passée, le président du Zimbabwe a lui-même procédé à cette même déclaration qui était liée à l'insécurité alimentaire causée par la sécheresse. Et les fonds viennent pour répondre à cet appel. On est sûr que les fonds viendront aussi pour répondre à l'appel du gouvernement. Nous conseillons maintenant aux populations qui sont affectées de vider les lieux
Et c'est l'administration qui doit organiser cette activité de déménager les populations pour que ces gens soient à l'abri de cette montée des eaux du lac Tanganyika. Il y a des activités préliminaires qui doivent être faites. Obuha est à l'œuvre pour remettre les eaux de certaines rivières, comme la rivière Kanyosha, dans son lit. Le secteur de la santé doit se mobiliser pour faire la pulvérisation, pour éviter qu'il y ait développement de certaines maladies comme le choléra et autres. Le secteur de la sécurité publique, la police, doit être mise en mouvement pour la protection et la sécurisation des biens qui appartiennent aux communautés qui sont en déplacement. Il faut que ces gens sentent qu'ils sont appuyés, surtout assistés par le gouvernement et ses partenaires. Ainsi sont refermées cette rétrospective de la semaine. Merci de l'avoir suivi, mais ne tournez pas de chaîne. Notre programme continue sur la télévision Isanganiro.